Le chiffre à retenir, c'est la zéro complémentation, puisque nos travaux expérimentaux, que ce soit sur la partie conduite broutard au pâturage ou engraissement de vaches de réforme au pâturage, montrent qu'il est tout à fait possible d'engraisser et de conduire des animaux à l'air pâturé sans complémentation, avec des très bonnes performances techniques et économiques. Les travaux de l'année 2021, où on a eu une bonne pousse de l'herbe au printemps, montrent qu'il est possible de réaliser des niveaux de croissance de l'ordre d'1,6 kg sur des veaux mâles charolais sans complémentation. Et du coup, l'économie de concentré et d'aliments générés va permettre d'avoir une quarantaine d'euros de marge supplémentaire pour un éleveur par veau. Les travaux ont comparé deux itinéraires, une finition au bâtiment contre une finition au pâturage. Et donc du coup, les résultats de l'année 2021 montrent que sur la finition au pâturage, donc il est possible de finir des femelles sans complémentation si l'herbe est bien gérée, et de générer ainsi des économies de l'ordre de 120 kg de tourteau de colza et de plus de 600 kg de céréales. Nous n'avons pas d'écart sur les performances de croissance, on a des bons niveaux de croissance, et la finition pâturage a aussi l'avantage de réduire à la fois les charges alimentaires mais aussi les quantités de paille de litière, et donc d'une quelque sorte le travail que doit réaliser un éleveur dans le bâtiment. 100% pâturage, c'est possible si l'herbe est bien gérée et aussi si les conditions climatiques s'y prêtent. 2021 l'a montré, où on avait une excellente année printanière, a pu mettre en avant que finir sans complémentation était tout à fait envisageable.